Cette année, le thème, c'était les années 90. Et pour moi, les années 90, ça, c'est une période en fait, de joie pour certaines personnes, parce qu'il y a la musique, il y a les danses, il y a l'hip-hop et tout. Il y a aussi des moments tristes, par exemple, avec le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, qui est un moment qui me hante depuis aussi. Nous, on est rwandaises, du coup, on a fait partie du groupe Amasalo, qui a fait une vidéo sur... sur l'histoire du Rwanda un peu, mais de forme artistique, du coup dans la danse contemporaine et des slams. Nous avons tourné une pièce qui s'appelle Le Retour au Bled, qui est d'ailleurs incroyable. Je suis très contente d'avoir participé à ce nouveau Babel, car l'année dernière j'étais trop jeune, donc je ne pouvais pas participer. Et cette année c'était super, j'ai réussi à faire l'orchestre, donc avec Zombie. Franchement, le festival Babel, quoi. C'est vraiment une expérience incroyable qui nous a marqué. C'est une première. Pour l'exposition, quoi. Et franchement, elle nous a gravé. Le fait d'être guide m'a vraiment sorti de ma zone de confort. Ça m'a vraiment aidée parce que, en tant que guide, je devais me mettre dans la peau des gens, faire rire des gens parfois, faire des blagues. Et ça aide un peu sur le côté social. J'ai pu rencontrer d'autres personnes que je connaissais pas, leur présenter tout le travail qu'on a fait pendant un an. Moi, mon souhait, c'est vraiment que tout le monde puisse s'identifier dans les différentes œuvres qui sont là et qu'ils puissent comprendre un peu la vie que les autres ont eue avant nous. C'est que le Covid parte pour que nous puissions retourner sur scène, qui est aussi une très grande expérience. Et j'espère vraiment que l'année prochaine, on va pouvoir faire ça en vrai et qu'il y aura du vrai public et on va le faire sur scène devant plus de 12 personnes. Venez découvrir et Babel, c'est de la bombe. Alors allez hop, on se dit au revoir avec un pas de danse trop mortel. Sérieux, amuse-toi bien. Roule Raoul. Démarre Omar. En voiture Simone.